Get hyper. Bonjour tout le monde, c'est Bernadette. Bon alors, je vais vous dire tout de suite. Alors, vous croyez que je suis professeur de géographie? Hein, vous avez bien rigolé hein, quand j'ai dit Yémen. Yémen, c'est en Afghanistan. Vous m'avez tous dit Yémen sur Yémen. Mais je suis pas professeur de géographie, hein, je suis une simple femme de ménage. Hein. Bah alors, bon, je vais régler mes comptes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de T-Bag. Alors, on est sur la map Aftermath. La map Aftermath. Voilà. Bon, alors, la première fois que j'ai commenté une vidéo de mon fils, vous avez bien rigolé, vous êtes bien foutu de ma gueule. Hein? Il y en a même, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y en a déjà, ils sont là, ils font de l'humour. Il y en a, ils font déjà de l'humour sur YouTube. T-Bag ne fait pas n'importe quoi. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Voilà, je reviens. Je fais ce que je veux. Bah alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi ce bordel? Bon alors, on est sur la map Aftermath. Je vais vous raconter, j'ai ma petite fiche avec moi. Alors, il a encore la PDW, mais il joue toujours avec cette arme ou quoi? Il peut pas changer d'arme un peu? PDW, PDW, encore un gameplay PDW. Il y en a marre. Alors, il a mis chargeur rapide. Voilà, vous savez, je vous l'ai dit, chargeur rapide, c'est pour charger plus vite. Après, il a mis poignée avant. Poignée avant, ça doit être une poignée devant l'arme. Ou dedans l'arme, je sais pas. Une poignée qui va de l'avant. Peut-être pour aller de l'avant. Voilà. Après, il a mis... En atout 1, il a mis détermination. Voilà. Détermination. Encore et encore et encore. Parce que c'est quelqu'un de motivé, mon fils. Détermination. Après, il a mis... Fantôme. Voilà. Encore une fois. Pour pas que les fantômes, ils reviennent. Pour pas qu'ils viennent nous tuer dans le dos, encore une fois. Après, il a mis robustesse. Robustesse pour être fort, pour donner des muscles, de la force. Vous comprenez un petit peu, il faut toujours prendre robustesse pour être fort. Après, il a mis dextérité. Dextérité, ça doit être pour Dexter. Je connais la série Dexter, ça doit être pour le Dexter, la police, le sang, tout ça. Pour pas, je sais pas, pour pas trouver des preuves ou quelque chose comme ça. Après, il a mis ingénieur. Ah, il a mis ingénieur parce qu'il est intelligent. C'est mon fils T-Bag. Il est intelligent, il a mis ingénieur parce qu'il est ingénieux. Tout simplement, ingénieur, ingénieur, vous avez compris? Bon, alors, on est sur la map Aftermath. Comme je vous l'ai dit. Alors, il a mis le mode, c'est élimination confirmée. Élimination confirmée. Alors, il faut tuer. Et après, quand on a tué, il faut dire à son chef, oui, c'est bon, il est mort. Je confirme. Il est bien mort. Voilà. Je pense que c'est ça. Il faut tuer et bien confirmer. Alors, tout est cassé. On va raconter un petit peu ce qui se passe parce que moi, je connais pas bien. Alors, tout est cassé. Il y a eu des explosions, ça explose de partout, c'est la guerre, voilà, comme d'habitude, c'est la guerre, parce que c'est ce qu'il aime. Et alors, j'ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai dit, alors, T-Bag, je regardais un petit peu tes vidéos, j'ai fait ton commentaire, c'est la guerre, ça pète, il y a du sang. Il m'a dit, mais écoute, maman, tu sais que j'aime pas la guerre, que j'aime pas le sang, tout ça, dans la vraie vie, mais il m'a dit, écoute, maman, c'est un jeu vidéo, il faut savoir faire la part des choses, vous comprenez? Il faut mettre des barrières. Il faut mettre des barrières. C'est un jeu vidéo. C'est juste pour s'amuser. On se dit, c'est pour rigoler. Après, chacun son humour. Il veut rigoler comme ça, tuer des gens. Chacun son humour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il peut rigoler. Tant que ça reste dans les jeux vidéo, il peut rigoler. Je m'en fous. Voilà. Après, il m'a dit, maman, mais comment tu connais le mot campeur? Eh ben, c'est campeur. Tout le monde connaît le mot campeur. Alors, qui ne connaît pas le mot campeur? Si on regarde une vidéo de Call of Duty, tout le monde le connaît le mot campeur. J'ai demandé à mon fils pourquoi il appelle les gens campouze. Il m'a dit, c'est pour faire style. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Il m'a dit, c'est pour faire style.
Il m'a dit qu'on pousse, ça fait style. Qu'on peut ou ça passe pas bien. Bah écoute. Alors maintenant, vous voulez que je dise qu'on peut ou qu'on pousse? Moi, je préfère un qu'on peut, c'est plus français. Moi, je parle français. Alors, d'accord. Alors, vous allez rigoler, j'ai un petit accent. Mais c'est normal. C'est normal, je viens de la Guadeloupe. J'ai un petit accent. Regarde, ceux qui viennent de Marseille, ils ont un accent. Ceux qui viennent de Lille, ils ont un accent. Eh bien, moi, je viens de la Guadeloupe, j'ai un accent. Les Chinois, ils ont un accent. Tout le monde a un accent. Ça dépend d'où on vient. Pourquoi tu rigoles? Les gens, ils rigolaient. Ils ont dit, ah, ah, la maman de T-Bag, elle a un accent. Elle connaît pas les atouts. Je sais pas quoi. Eh bien, si je connais les atouts. Et aussi, les atouts, il y a quoi? Il a mis des score streak, comme la dernière fois. Le score streak numéro 1, le drone. C'est le petit robot, comme je vous ai dit. Le drone, le petit robot. Après, il a mis microstation orbitale. Alors là, microstation orbitale, moi, des mots scientifiques comme ça, je comprends pas. Microstation, c'est une station essence orbitale dans l'orbite. C'est peut-être une station essence pour les vaisseaux spatiaux, quelque chose comme ça. Après, il a mis le drone d'escorte. Voilà, le drone d'escorte, c'est le petit robot pour escorter ceux qui viennent pour repousser les ennemis avec des boucliers, des bâtons. Quelque chose pour repousser les ennemis qui viennent pas nous tuer, tout simplement. Alors, vous voyez, tout est cassé, c'est normal, tout a pété. Ils tirent de partout, tout le temps, c'est la guerre. Il y en a marre, ils tirent dans le dos, le mec, il l'a même pas vu. Moi, j'en ai marre. Alors, les gens, ils ont dit, Maman T-Bag, on veut plus te voir. Mais il y en a beaucoup, ils ont dit, Maman T-Bag, on veut encore te voir. Eh bien, écoutez, vous allez encore me voir parce que c'est la chaîne de mon fils. Et je fais ce que je veux, c'est la chaîne de mon fils. D'accord? Alors, vous allez encore m'entendre un petit moment. D'accord? Je voulais régler mes comptes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.